Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Piskun qui te parle. Et aujourd'hui encore, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Arcademy, l'émission qui traite du mode arcade dans les jeux de baston. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à un titre sorti exclusivement au Japon, puisqu'en effet, il s'agit de Dream Mix TV World Fighters, un jeu du type, encore une fois, baston, qui ressemble pas mal à Super Smash Bros. Vous allez voir de quoi il en retourne d'ici quelques instants. C'est sorti sur GameCube et PS2, mais je vais tester aujourd'hui la version GameCube en émulateur, évidemment. C'est sorti le 18 décembre 2003 et c'est développé par Beatstep et c'est édité par Konami, Takara et Hudson. Alors ça fait beaucoup d'éditeurs, mais vous allez savoir très rapidement pourquoi. Alors là, dans le menu principal, évidemment, je ne parle pas le japonais, donc je vais faire un bref tour dans ce superbe menu, ma foi, fort bien animé. On a donc le mode, alors je crois que c'est Dream World, enfin le mode principal, hein, on va dire le mode arcade qui nous intéresse ici même. Là, c'est un survival, si je comprends l'accent japonais, enfin l'accent anglais plutôt, de ce japonais à couper au couteau. Donc là, il y a un tournoi. La library, c'est, j'imagine, donc les différents artworks et compagnie à débloquer. Et les options, donc là c'est pareil, on va rien changer du tout, puisque je ne sais pas à quoi correspond chaque, eh bien oui, ligne de dialogue. Donc oui, le mode Dream TV, c'est parti, avec une petite cinématique qui se lance, évidemment, avec des dialogues truculents. Hey, salut, moi c'est Ariane, je suis content, c'est le club Dorothée. Salut, moi je m'appelle Dorothée et je vais vous animer une émission. Donc voilà, je vais passer ça parce que bon, c'est pas très très intéressant. Et bah, pourquoi je ne peux plus le passer? Ah bah voilà, ça y est, ça ne marchait plus, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, voilà, c'est un tournoi, je ne sais pas trop ni pourquoi ni comment, hein. J'imagine que c'est pour sauver l'univers, un truc dans le genre. Et donc, sans plus tarder, nous avons la sélection des personnages, hein. Il y a en tout et pour tout 17 personnages, dont je ne sais plus combien, je crois 6 à débloquer, si mes informations sont correctes. De toute façon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Donc, 11 personnages de base avec donc 6 personnages à débloquer et répartis en fait entre maisons d'édition. Donc là, on a les personnages de Konami, donc avec ce petit personnage, eh bien oui, récurrent d'un jeu de baseball dont je ne connais plus le nom. On a Simon Belmont, hein, des Castlevania, évidemment, le personnage que je vais sélectionner pour ce mode arcade. Nous avons aussi un autre personnage dont je ne sais pas d'où il vient, mais il a un maillet, ma foi, fort joli. Nous avons aussi donc une Barbie doll, voilà, je sais pas. Alors je crois que c'est un truc de jouet, hein, ce Takara, parce que je crois que c'est vraiment Barbie, si je dis pas de conneries, un truc dans le genre. On a donc aussi Beyblade, hein, le héros de Beyblade. On a aussi donc le personnage évidemment de Transformers, hein, Optimus Prime, je crois. Nous avons aussi un autre petit robot malicieux. Nous avons aussi Konami, non pas Konami, qu'est-ce que je raconte, merde, Hudson avec Bomberman. Nous avons aussi, je crois que c'est Momotaro, parce que je crois qu'il est, il vient de la légende japonaise. Nous avons aussi, alors je ne sais plus son nom, mais il vient de Adventure Island, je ne sais plus trop encore une fois. Mais bref, c'est un personnage aussi très connu de Hudson. Et on a Hugo the Wolf de la série Bloody Roar, célèbre jeu de baston que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Et donc je vais choisir Simon Belmont, Simon Cussonnet, ça te donnera l'heure, avec le choix des couleurs, hein. On a moult couleurs, alors ce qui est bien, ça change même l'illustration, hein. C'est un petit plus, ma foi, toujours appréciable. On va le prendre dans sa version rouge, dans sa version rousse, et c'est parti, sans plus tarder, on peut le voir qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnages en même temps, c'est formidable. Alors on va commencer tout simplement avec du 1 contre 1, puis plus on avancera dans l'aventure, et plus nous aurons, eh bien oui, d'adversaires à affronter en même temps. Et vous allez voir que c'est un système de jeu un peu particulier qui change d'habitude, puisque là, il n'y a pas vraiment de barre de vie à descendre pour battre son adversaire. Mais comme vous avez pu le voir en début de combat, nous avons des jetons au hacker comme ça à récupérer. Et vous voyez en fait en bas une jauge qui diminue ou qui augmente en fonction du nombre de jetons que l'on récupère. C'est très simple, en fait, il va falloir dominer son adversaire en récupérant le plus possible des jetons. Et à partir d'un certain moment, on a pu le voir brièvement, en fait, il y a, entre guillemets, on va dire, l'âme du personnage qui sort de son corps. Et on doit le plus vite possible récupérer ce jeton spécial pour valider ou non le décès de notre adversaire. Donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça. C'est vraiment, oui, comme j'appelle ça, un jeu de domination. Puisque c'est celui qui remporte le plus de jetons qui gagne à la fin. Donc évidemment, le but ce sera soit de récupérer comme ceci en début de combat, soit de faire attention en cassant le cul de notre adversaire. Et vous avez pu le voir qu'en fait, ça projette les jetons, c'est pas automatique de gagner tous les jetons, on peut les perdre, au bout d'un moment ils disparaissent. Donc il va falloir être tactique et rapide pour pouvoir
et bien oui, récupérer le maximum de piécettes possible. Voilà, tac, dans ta gueule, espèce de petit robot. Je ne sais pas d'où il sort, lui. Je ne sais pas de quoi il sort, mais bon, en tout cas, il est rigolo tout plein. Attention, il se relève. Alors, comment ça se joue? Comment ça se joue? C'est très simple. Nous avons en fait une attaque de base qui peut faire combo en fonction des personnages. Hein. Je sais qu'avec Simon, par exemple, il y a combo 3 hits avec son fouet, évidemment. Et on a aussi une touche d'attaque spéciale. Alors, ça dépend un petit peu des personnages, justement, une ou deux, je crois, apparemment. Paf! Donc là, Simon Belmont, en l'occurrence, lui, peut lancer sa croix de combat. Et en fonction des directions dans laquelle nous lançons eh bien, notre arme, eh bien, il y a plusieurs effets différents, ou au moins il y a une destination, on va dire, différente en fonction, encore une fois, de la direction appuyée. Donc ça, c'est pour le combat de base. Là, on peut le voir que je vais affronter donc deux adversaires à la fois, je crois, donc un en haut et un en bas. Il y a aussi la possibilité de se protéger avec un bouclier, hein, de la même manière qu'un Super Smash Bros. Même principe, hein, on appuie sur une des gâchettes et on se protège. Il y a aussi ce qu'on appelle des just guard, c'est-à-dire que si j'appuie sur la garde au bon moment, eh bien c'est très simple, je vais profiter d'un moment de... comment ça s'appelle d'étourdissement de l'adversaire pour pouvoir lui infliger quelques dégâts. Oh, ah, hop, ça y est, premier adversaire défoncé, Bomberman, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et on peut le voir que le bonhomme, par contre, n'est pour autant pas sorti du jeu. Il est tout petit, il fait beaucoup moins bobo, mais il est toujours présent sur le game. Et ça, c'est sympathique, c'est intéressant, et j'ai encore gagné, c'est formidable. Du coup, voilà, ça se passait comme ça, avec, vous avez pu le voir aussi, que souvent, le terrain va apporter son lot d'obstacles et de dangers, qui va permettre de dynamiser un peu les parties. C'est un jeu, voilà, qui n'est pas très original en soi, puisqu'en effet, on était énormément pensé à... Encore une fois, Super Smash Bros. Et un autre jeu du genre, je crois, qui est sorti un peu plus tard, ça s'appelle Battle Stadium D.O.N. qui reprend plus ou moins le même principe, mais avec les personnages de Dragon Ball, One Piece et de Naruto. Hop là, allez, prends ça dans ta gueule. Oula, alors je sais qu'au Japon, ce personnage-là, justement, c'est, je ne sais plus son nom, mais c'est un animateur célèbre qui a eu le droit, du coup, à son propre jeu. Et paf! Et du coup, c'est... Le premier jeu en fait que l'on a eu nous en France avec ce personnage là, ça s'appelle Wonder Boy, Wonder Boy sur Master System. Et du coup c'est très rigolo. Alors là, paf, pif, pouf. Voilà, et c'est le décès. Je viens de remporter encore une fois la victoire. Alors par contre le pourcentage à la fin, je sais pas trop à quoi ça correspond, peut-être au nombre de jetons maximum que l'on peut avoir. Ouais oui, c'est Dorothée, n'oublie pas de t'inscrire sur le club Dorothée, c'est formidable, allez ta gueule. Donc voilà, ça se passe comme ça durant quelques stages, c'est rigolo tout plein. Et en fait, le gros intérêt du jeu, en fait, c'est de débloquer moult personnages issus de nos licences préférées, avec notamment, vous le savez tous maintenant, Snake. Il est possible de jouer Snake de la saga des Metal Gear Solid, saga que j'aime tout particulièrement. Et je pourrais le débloquer d'ailleurs en terminant une première fois le mode histoire principale avec un personnage de chez Konami. Et paf! Oula! Allez, oh putain, oh là là. Il y a un robot géant qui me fiste l'anus. Allez, tiens. Moi, je vous fouette, là. Moi, je fouette les petits enfants, là. Ça t'apprendra. Voilà, il vient de nous dominer, là. Il a tout balancé la sauce. Les musiques sont plutôt chouettes, hein. Bah, après, licence oblige, les musiques des jeux sont la plupart du temps plutôt bonnes. Même si, voilà, c'est un peu improbable de se dire que dans un jeu, on va affronter, par exemple, un personnage de Beyblade. Après tout, pourquoi pas, hein. Alors comme quoi, Super Smash Bros, là je sais qu'ils viennent d'annoncer très récemment l'arrivée justement de Simon Belmont et de Richter dans le prochain Smash Bros Ultimate. Donc ce sera la seconde fois où Snake pourra botter le cul du célèbre chasseur de vampires. Mais voilà, je trouve que le roster est assez, assez intéressant, assez prenant. Ah, alors le truc c'est qu'il peut le récupérer, voilà, il a récupéré son cœur, ce qui fait qu'il est de retour dans la partie. Pif, voilà, Just Guard. Incroyable. Et paf. Et voilà, ça y est, j'ai gagné. C'est formidable. Je suis exactement, eh bien oui, le meilleur, la meilleure licence, le meilleur personnage de l'univers. C'est super chouette. Après, j'ai pas beaucoup, beaucoup d'informations de plus. Alors, je ne sais pas pourquoi le jeu n'est jamais sorti dans d'autres pays que le Japon. Peut-être que le concept était trop japonais pour pouvoir voir nos vertes contrées. Ou peut-être que c'est une question de licence, tout simplement. Je crois que c'est peut-être juste un truc dans ce genre-là, hein. Je ne sais pas trop. Oula, voilà. Voilà. Paf. Et voilà. Alors, je peux lancer, je crois, jusqu'à deux croix en même temps sur l'écran.
Ça me permet évidemment de prendre un certain contrôle de la zone. Il y avait aussi des shops apparemment. Hein. Ah, ça a disparu, merde. Ah, je suis toujours premier, c'est super. Je sais pas trop s'il y a des objets vraiment à récupérer ou non sur le terrain. Parce que le poussin là qui est présent, je sais pas si ça fait partie du niveau ou bien si c'est un personnage qui l'a lancé. Je n'en sais foutre rien. En tout cas, c'est plutôt rigolo, c'est le bordel. Après, bon, le système du coup de jetons récupérés, bon, bah, c'est sympathique. Mais ça remplacera pour moi jamais un vrai système de jeu de baston avec soit une barre de vie, soit comme dans Smash Bros, un système de pourcentage. Bien que le système de pourcentage soit pas forcément, comment dire, avec le même objectif qu'un système de jeu avec des barres de vie, etc. etc. Enfin bref, c'est rigolo 5 minutes, c'est plus un party game au final qu'un vrai jeu de baston, j'ai l'impression. C'est vraiment le genre de jeu que tu peux sortir en soirée avec tes copains et tu peux te marrer puisque c'est pas vraiment technique pour autant. Même si là je vais affronter évidemment le boss de fin qui a des patterns d'attaque un peu particulières. Il va falloir faire attention, paf. Oula, attention, il va falloir esquiver évidemment ces boulets magiques. Oula, et ces bombes incroyables du cul. Alors là j'aimerais pas... Voilà, non arrête, ah c'est chiant. Voilà, super. Bon, jusqu'ici tout va bien. Ah c'est chiant, alors par contre les contrôles sont un petit peu rigides. Alors c'est très limité, hein. Vous avez pu voir que à part un système d'attaque plutôt simple avec un système d'attaque spécial lui aussi assez limité, voilà, il n'y a pas un grand gameplay incroyable, ça n'a pas la profondeur, on va dire, d'un Smash Bros. Hein. Clairement, c'est vraiment plus destiné à un party game, c'est le genre de jeu que tu peux donc soit jouer avec tes copains ou avec, je sais pas, de la famille au pire des cas, et te dire, voilà, pas besoin de maîtriser grand chose pour pouvoir prendre son pied sur ce jeu. Oula. Oula. Oh là là, oh ça pique le fion. Ça pique le fion. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je ne sais pas, ça fait peur. J'aime bien récupérer, voilà, le jeton au milieu. Et paf! Voilà, le retour, évidemment, de la croix. Et, allez. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Et paf! Bon, il vient bientôt décéder, j'imagine. Quand on le voit comme ça, avec de la fumée qui sort de son vaisseau, ça sent le décès. Allez, mais laisse-toi faire. Voilà, ça sent la fin. Ça sent la fin. Allez, décède, bordel de merde. Putain, je vais défoncer Dorothée à moustache. Oula. Attention, la boule disco fait des rayons laser en action. Ah bah, je prends plein la face, là. Tiens. Et voilà. C'est qui le papa? Alors, attention. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah merde, mes commandes sont inversées. D'accord, alors ça, c'était pas bon. Voilà. Putain, mais quand est-ce qu'il va mourir à la fin? Oula, attention. Voilà, les commandes sont revenues, évidemment, au mauvais moment. Oh là 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 là. J'en prends plein la face. Ah oui, super pinch. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi correspond le super pinch. Et voilà, c'est le décès. C'est la fin du club de Rosé, les enfants. Ah oui, salut, hein. Ah, formidable, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est une reproduction exacte de la fin du club Dorothée. Évidemment, ça se passait exactement comme ça à l'époque. Formidable. Donc vous voyez, hein, le mode arcade est extrêmement court, hein, c'est simple comme tout. C'est rigolo, c'est pas un jeu prise de tête. Loin d'être un jeu difficile et à maîtriser et à parcourir. Alors, apparemment, il est pas très très content. Voilà, ça explose, il décède. Et oui, c'est ça qui est drôle. Vous faites un jeu télévisé et les gens meurent à la fin, c'est ce qui fait évidemment exploser l'Audimat, en plus de son vaisseau, évidemment. Ah, cette petite musique, ce petit générique de fin, ma foi, très subtil et agréable. Alors, j'aimerais bien passer, parce que j'aimerais bien débloquer Snake et vous montrer un petit combat avec. Enfin bon, bref, c'est donc Dream Mix TV World Fighters sur GameCube, là en l'occurrence. Un bon petit jeu, hein, encore une fois, que je recommande, qui fait un bon party game, tout simplement. Voilà, parce que Smash Bros, je sais que, par exemple, bon, il y a des gens qui sont à fond dessus, et il y a quand même un certain niveau entre un bon joueur et un joueur débutant. Là, pour le coup, voilà, c'est vraiment un petit jeu qu'on peut prendre en main rapidement et qu'on peut vite délirer avec. Après, en termes de chiffres, j'ai trouvé que le prix sur eBay, par contre, il faudra débourser quand même au minimum 160€ pour avoir le jeu. Hein, et seulement en plus au Japon, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire importer. Donc attention aux frais de douane éventuels. Donc voilà, c'est un jeu qui ne vaut pas 160€, hein, je vous le dis direct, hein, vous avez beau être fan de certains trucs, hein, c'est un jeu quand même plutôt rare. C'est un jeu
qui ne vaut clairement pas son prix, en tout cas sur Internet. Ah oui, alors non, par contre, ouais, non, non, par contre, j'aimerais bien, pour une fois, je vais pas vous quitter, parce qu'en plus, c'est une petite vidéo, j'aimerais bien vous quitter quand même sur une petite démonstration de Snake dans son niveau, puisqu'il y a quand même en tout et pour tout 15 niveaux. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment un petit jeu, mais ça fait du bien, justement, je trouve, de changer comme ça, d'avoir plein de personnages à licence qui se foutent joyeusement sur la gueule. Encore une fois, voilà, ce que je lui reproche, vous l'aurez compris, ce sont les commandes très simplistes, un peu rigides, et son système de jeu qui est sympathique, mais qui peut vite devenir assez redondant. Voilà, ça manque un petit peu de comment dire, de variété. Après, je sais pas si dans les options, il y a la possibilité de changer ça un petit peu. Je sais que dans Battle Stadium D.O.N., que je vous présenterai sûrement un jour, hein, de toute façon, je sais qu'il y a la possibilité de changer un petit peu ce système du cœur du jeu. Après, là, en l'occurrence, je ne sais pas, je me suis pas assez renseigné, hein, j'ai lancé le jeu pour faire 2-3 parties, ça m'a suffi largement. Ah, c'est beau, putain! Ah, comment c'est beau! Les étoiles dans le ciel! Oh, et tous ces noms! Avec, j'imagine, Jean-Michel qui a travaillé dans le son. Avec Jean-Luc qui, lui, s'est occupé de la modélisation des personnages. Ah, merci Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, Jean-Luc? Allez, oui. Vous en avez compris, oui. Ah, moi, je vous conseille sur YouTube là de passer un petit peu le générique de fin. C'est un peu chiant. Je sais pas pour vous, mais moi je m'emmerde. Oula. Oui, allô, oui. Ça bug. Ah, c'est bon. Bon, voilà. Sinon, un bon petit jeu, encore une fois. Je le dis, je vais le dire mille fois, hein, histoire que vous compreniez bien. Un petit jeu sympathique au demeurant. Mais qui ne casse pas, évidemment, trois pattes à un canard. Ah, c'est beau. C'est beau la vie, putain. Ah, félicitations! Mon rang est un rang niveau... C! C'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas grave. Ah oui, formidable! Oui, tu as débloqué un truc. C'est super chouette. C'est survival, hein, je crois. Ah voilà, donc oui, c'est le mode versus, tout simplement. Alors, oula! Man contre l'ordinateur. Oui, ça me paraît bien comme ça. Allez, salut. Hein. Allez, oui. Et j'ai donc débloqué Solid Snake de Metal Gear Solid 2 avec son fameux mulet, son bandana transcendant le temps et l'espace, qui lui n'a pas plusieurs couleurs, mais a plusieurs costumes, puisqu'il a en effet le costume de Snake Plissken, de Iroquois Plissken, pardon. Sa tenue, on va dire d'infiltration pour passer inaperçu. Il a le tuxedo, donc son costume. Regardez comment il est beau, il est tout fier avec son costume. Et son costume de Metal Gear Solid 1, c'est super chouette. Alors pour finir cette vidéo en beauté, on va lui prendre donc son plus bel appareil. Oui, et on va donc affronter, eh bien oui. Ah d'accord, non, j'ai pas le choix. Ça se choisit automatiquement. Et le champ de bataille, évidemment, on va aussi se battre, eh bien, dans le niveau... de notre cher serpent adoré. Je l'ai pas débloqué. C'est bizarre, je crois que c'était automatique. Je crois qu'on débloquait le personnage et son niveau. Vous savez quoi, on va faire le château de Dracula. Non, je veux pas ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je fais un combat, puis on va se quitter là-dessus. Hein. C'était une vidéo un peu courte, je trouve. Après, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, hein, effectivement. Mais là, on va pas prendre trop de temps pour ça. Ah, en plus, il a sa voix japonaise, Snake. Il est bien vénère. Paf, pif, pouf. Alors, qu'est-ce qu'il a comme attaque spéciale? Ah, il a une mine. Il pose une claymore au sol. Ou du C4, je ne sais pas trop. Oh. Ah, mais putain, j'ai pas eu le temps de me relever aussi, là. Il est vénère, avec son slip, là. Ah, putain, laisse-toi faire. Qu'est-ce que c'est? Putain, j'en prends plein la gueule. Je vais presque décéder, même. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a les coups qu'il peut donner dans le jeu. C'est superbe. Oh putain, c'est chaud du cul. Oh, je vais mourir. Non. Oh putain, bah, j'ai perdu. Voilà, on va se quitter sur une défaite. C'est pas grave. Et donc, encore une fois, c'était Trim. Ah non, il y a le deuxième round. Ah, moi je m'enflamme. Moi j'ai déjà perdu, je me barre comme ça. Moi, je supporte pas les défaites. Allez, c'est parti. Deuxième round, on disait. Allez, je vais pas me faire avoir par un mec qui a une tête de slip, quand même. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, il nous annonce que
Ah, c'est eh bien oui. La lumière qui disparaît. Oh, comme ça, à la relever. Ah merde. Allez, reviens. Pif, paf, pouf. Ouais, j'ai l'avantage cette fois-ci. Allez, viens de mon coin. Paf. Je t'ai bien eu. Allez, j'en mets une deuxième. Paf. Alors ça va, heureusement, il est un peu con. Ah, allez, viens te la mettre. Mais non. Allez. Ah, bâtard. Oh putain, je vais faire un high kick. Tiens. Moi, je les explose, les gamins, et hop. Regardez-moi comment je suis beau avec mon nœud papillon. Formidable. Allez, un partout. Round 3. Allez, c'est parti. Voilà, récupère le max de jetons. Voilà, j'en ai bien plus que lui. Paf. Et voilà. Alors, est-ce qu'il a d'autres attaques spéciales? Oula. Paf. Non, apparemment, il n'a que la clé mort. Et voilà, la lumière est éteinte. Paf. Et voilà, oh, la victoire. Heureusement que je joue contre un ordinateur un petit peu con, hein, je vous le cache pas. La victoire est un peu amère dans ces cas-là. Mais voilà, le principal, c'est que j'ai pu gagner. Oh, comme c'est beau, regardez-moi ces graphismes incroyables. Oh, qu'est-ce qu'il est sexy avec son costume bien moulant du cul. Formidable. Et du coup, c'était Dream World Mix, Dream Mix TV World Fighters. Un bon petit jeu que je recommande chaudement. Sur ce, moi je vais donc vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous, à très vite, salut !